L'histoire d'aujourd'hui commence en 2008 lorsque Molly Martins, 24 ans, surfe sur Internet et voit une annonce d'un père recherchant une nounou pour ses deux enfants. Molly vit à Knoxville dans le Tennessee et cette annonce lui correspond parfaitement car elle a trois frères qu'elle adore, il lui arrive aussi de faire du babysitting et de garder les enfants de son quartier, donc les enfants, ça la connaît. Par contre, la proposition de travail est à environ 3700 km de là, dans un autre pays, en Irlande. Mais ça ne lui pose aucun problème, elle adore les enfants et c'est l'occasion rêvée de découvrir un autre pays, un autre environnement. Elle vient aussi d'abandonner l'université et ne sait pas trop quoi faire, donc c'est aussi l'occasion de marquer une petite pause pour se découvrir. Ce père de famille se nomme Jason Corbett, il a 32 ans et il est veuf. Sa femme Margaret est malheureusement morte 2 ans plus tôt, en novembre 2006. En fait, en pleine nuit, Margaret, qui souffrait d'asthme sévère depuis la naissance, avait réveillé Jason pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait alors pris son nébuliseur, mais son état avait empiré, donc Jason avait contacté les urgences. Mais malheureusement, elle était morte lors du trajet dans l'ambulance d'un arrêt respiratoire. En tout cas, en 2008, il recherche donc quelqu'un pouvant s'occuper de ses enfants, Jack, 3 ans et demi, et Sarah, 1 an et demi. La petite Sarah, elle n'avait seulement que quelques mois quand elle a perdu sa mère. Molly contacte alors Jason et accepte le travail, puis elle déménage à Limerick, en Irlande. Ils ne se sont jamais vus avant qu'elle quitte son Tennessee. Et au moment de son départ, elle est fiancée à un homme du nom de Keith, mais cette histoire se termine lors de son départ. En tout cas, Molly et Jason se rencontrent donc, puis tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Ils officialisent leur relation, et le 14 février 2010, ils se fiancent, et en juin 2011, ils se marient. Concernant les enfants, Molly s'est tout de suite prise d'une très grande affection pour eux, et les considère très rapidement comme ses propres enfants. Toujours en 2011, Jason est muté en Caroline du Nord dans le cadre de son travail. Il quitte donc l'Irlande et emménage dans une belle maison à Winston-Salem en Caroline du Nord. À ce moment-là, Molly, elle s'occupe toujours des enfants, elle fait aussi du bénévolat dans leur école et elle obtient aussi un emploi à temps partiel en tant que monitrice d'une équipe d'enfants de natation. Et au fil du temps, les enfants de Jason, donc Jack et Sarah, l'appellent aussi maman et ils lui font des petites cartes lors de la fête des mères, donc c'est une belle petite famille. La relation de Molly et Jason a duré 8 ans, mais cette relation n'était pas si belle et si heureuse qu'elle paraissait. En réalité, Jason est contrôlant, il a un tempérament violent, il aime aussi boire, leur relation est donc plutôt tumultueuse. Et selon Molly, elle avait peur qu'un jour Jason la frappe, donc c'est vous dire quand même à quel point il devait être violent et faire peur. Nous voilà à présent le soir du 1er août 2015. En 2015, Jason est âgé de 39 ans, Molly elle en a 33, Jack il a 10 ans et sa petite sœur Sarah est âgée de 8 ans. Ce soir-là, les parents de Molly, Sharon et Tom Martins, dînent chez leur fille et leur beau-fils. Le père de Molly, Tom, il a 67 ans et c'est un homme à la retraite qui a exercé le métier d'agent du FBI durant 30 ans. Les parents n'étaient pas au courant des abus physiques de Jason sur leur fille, mais celle-ci leur avait malgré tout touché quand même quelques mots au sujet de son tempérament et de son comportement contrôlant. Donc ils arrivent chez leur fille vers 20h30, après environ 4 heures de route. Car eux vivent toujours à Knoxville, dans le Tennessee, alors que Molly et Jason, eux, résident en Caroline du Nord. Le repas se déroule bien, ils passent une bonne soirée en discutant et en mangeant de la pizza.
Et il est convenu qu'il dorme sur place cette nuit-là, puisqu'il y a 4 heures de route pour entrer dans le Tennessee. Ils ne repartent donc que le lendemain. Donc une fois la soirée avancée, tout le monde rentre dans sa chambre pour dormir. Puis, dans la nuit du 2 août, vers 3 heures du matin, Sarah se réveille. Elle a fait un cauchemar et part donc réveiller Molly. Elle se tient juste devant la porte de la chambre de ses parents, mais elle n'entre pas, car en fait elle savait que son père leur interdit de rentrer dans leur chambre pour plusieurs raisons, dont l'une d'elles est parce qu'il dort nu. En tout cas, elle est devant la porte, entrouverte, et elle appelle sa mère en chuchotant. Molly l'entend, elle se lève et elle se rend dans la chambre de Sarah sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son mari. Elle remet Sarah au lit, elle la réconforte et retourne dans sa chambre. Sauf que Jason s'est réveillé et maintenant il est en colère. Il veut savoir pourquoi sa femme s'est levée et il est furieux car il ne croit pas Sarah. Selon lui, sa fille a déjà fait ça auparavant et donc c'est uniquement pour être dorlotée. Et d'ailleurs pour lui, elle était bien trop âgée pour cela. Donc il a dit à Molly qu'elle n'aurait pas dû se lever mais plutôt la laisser. Molly, elle lui répond en disant que Sarah, elle n'a quand même que 8 ans, elle a fait un cauchemar et qu'elle a parfaitement le droit de la raccompagner jusqu'à son lit et de la réconforter. Et c'est là que Jason se met en colère contre sa femme. Il veut qu'elle se taise, il ne veut plus l'entendre. Alors il lui couvre la bouche et commence à l'étouffer. Et Jason a dû quand même oublier que ses beaux-parents étaient chez eux, juste en bas. En tout cas, emporté par la colère, il l'étouffe, il l'étrangle, et c'est d'ailleurs un geste qu'il aurait apparemment déjà fait auparavant. Mais à un moment, Molly, elle réussit à crier et son père, Tom, l'entend. Donc réveillé, il attrape une batte de baseball en aluminium qu'il venait juste d'offrir au petit Jack et se précipite à l'étage de la maison. Il se dirige vers la chambre et découvre Jason en train d'étrangler sa fille. Tom crie alors à Jason de laisser sa fille tranquille, de la lâcher, mais Jason aurait dit « je vais la tuer ». Il aurait répété cette phrase plusieurs fois. Donc Tom s'approche, il tente de frapper Jason avec la batte pour libérer sa fille, et plus tard, il déclarera que les premiers coups qu'il lui a portés ne semblaient absolument rien lui faire, à part au contraire le plonger dans une rage encore plus forte. Il faut quand même dire que Jason c'est un grand gaillard, il pèse 118 kg, il est costaud. Puis toujours dans leur chambre et toujours sous les yeux de Tom, Jason traîne Molly avec lui et se dirige vers la salle de bain. Alors là le sang de Tom ne fait qu'un tour, il sait que c'est le moment d'agir car si Jason s'enferme avec sa fille dans cette pièce, il ne pourra plus rien faire pour l'aider. Donc il se jette sur lui, continue à le frapper avec la batte de baseball, notamment à l'arrière de la tête. Donc à ce moment-là, Jason lâche enfin le cou de Molly et se dirige vers Tom. Il réussit à récupérer la batte, pousse Tom et tente de le frapper avec. Tom déclarera aussi plus tard qu'à ce moment-là, il est persuadé qu'il allait mourir. Et c'est là que Molly attrape une brique qui se trouve sur sa table de chevet et frappe violemment son mari à la tête avec. Et nous verrons après pourquoi elle avait une brique sur sa table de chevet. En tout cas, ils frappent tous les deux Jason à plusieurs reprises et selon leur dire pour leur survie. Puis lorsqu'ils considèrent la menace passée, ils s'arrêtent, c'est-à-dire quand Jason tombe et qu'il ne bouge plus. Donc ça, ce sont leurs déclarations. Jason a lui été frappé de nombreuses fois avec la batte et de nombreuses fois avec la brique, tellement de fois que dans le rapport d'autopsie qui sera établi par la suite, le médecin légiste ne saura pas déterminer combien de coups il a reçu exactement, même si on estime qu'il a reçu une douzaine de coups. En tout cas, Jason Corbett est alors sur le sol de la chambre, nu, ensanglanté et mort. C'est à 3h02 que Tom appelle le 911. Davidson County 911, what is the address of your emergency? My name is Tom Martins. I'm at 160 Panther Creek Court. And we need help. Okay. What's going on there? My daughter's husband, my son-in-law, got in a fight with my daughter. I intervened, and I think he's in bad shape. We need help. Okay, what do you mean he's in bad shape? He's hurt? He's bleeding all over, and I may have killed him. You know? All right, okay. What is your name? My name is Tom Martin. Was he drinking?
Yes, he had been drinking during the course of the day. Is he conscious at all? No. Is he breathing? I can't tell. All right, what I need for you to do is I need someone to roll him onto his back, flat on his back. Okay. He's a big, heavy man. I can't do it. All right, is there anyone there that can help you? My daughter, and she's in terrible shape. Okay, someone needs to get him on the back, on his back. We need to verify his breathing. I'm trying, lady. Hang on. Okay, just put your phone on the speaker. Okay, I've got him rolled over. All right, I want you to put one hand under his neck, the other hand on his forehead, and tilt his head back. Put your ear next to his mouth and tell me if you can see or hear or feel any breathing. I can't see him, no. All right, I'm sending the paramedics and ambulance to help you now. Stay on the line. Okay. All right, tell me what happened. Did you hit him in the head or? I hit him in the head. With what? With a baseball bat. With a baseball bat. Yes, ma'am. He was choking my daughter. He said, I'm going to kill her. All right, we are sending the paramedics to help you now. Where's right. The baseball bat at? In the bedroom here with me. Okay. Just don't touch it anymore, okay? Yes, ma'am. All right, so we're going to start CPR. All right, he is still on his back. He is. I have to give the instructions. You just go ahead and do it if you know what to do. Put the other hand on top of that hand. One, two, three, four. I'm handing the phone to my daughter. All right, that's fine. Hey, are you with me? Yes. All right, listen to me. I need you to calm down so that we can help him, okay? All right, your dad's going to need some help pumping. I need you to get ready to pump, okay? Okay. When he gets to 200 pumps, you're going to take over. Les policiers arrivent donc sur les lieux sans tarder et une fois sur place, ils constatent que le corps de Jason est froid au toucher. Donc ils concluent que Jason était mort bien avant l'appel au 911. Et à ce moment-là, les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agit d'un cas de légitime défense ou bien d'un meurtre. Alors il y a énormément de sang dans la maison, dans la pièce, il y a des taches de sang qui ont éclaboussé les murs. Les enquêteurs emmènent ensuite Molly et son père Tom au poste de police pour les interroger. Molly, elle est toujours vêtue de son pyjama et elle est interrogée la première. Elle déclare alors que Jason l'a maltraitée, qu'elle a d'ailleurs fait plusieurs séjours à l'hôpital, qu'il était violent verbalement, violent psychologiquement. Elle a aussi un enchevêtrement anormal de vaisseaux sanguins sur son pied gauche. En fait, Jason aurait accidentellement marché sur son pied gauche un jour où il était en colère. Elle déclare aussi qu'au cours de leur relation, il s'est excusé à chaque fois, que les choses s'amélioraient donc, mais que les abus revenaient toujours malgré tout et s'aggravaient avec le temps. Pourquoi est-elle alors restée? Eh bien en fait pour les enfants. Molly les aime vraiment profondément et elle ne voulait surtout pas les laisser, donc elle restait auprès de Jason pour protéger Jack et Sarah. Et d'ailleurs c'était devenu très compliqué entre les deux, entre Molly et Jason à propos des enfants. Molly, elle avait voulu adopter légalement les enfants, Jason il avait accepté et elle devait officiellement les adopter après leur mariage. Mais en fait, il n'en était rien. Jason n'avait en réalité jamais accepté le fait qu'elle puisse un jour adopter ses enfants. En fait, apparemment, il savait que si un jour ils étaient amenés à divorcer, au moins elle n'aurait aucun motif légal pour obtenir la garde de ses enfants. Et selon Molly, Jason refusait qu'elle adopte ses enfants pour maintenir son pouvoir sur elle, pour garder le contrôle. Car si elle restait, c'était donc pour les enfants, elle ne partait pas pour ne pas les laisser, car elle n'avait aucun droit légal sur eux. C'est aussi pour ça qu'elle ne portait pas plainte à la police, car Jason pouvait décider simplement de partir du jour au lendemain avec les enfants, sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Alors, la situation dans laquelle se trouvaient Molly et Jason au sujet de l'adoption est évidemment propre à chacun, à chaque histoire. Jason était parfaitement dans son droit de refuser, et vous verrez d'ailleurs après qu'il avait probablement aussi ses raisons. Mais cela faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble, les enfants l'appelaient maman, ils l'adoraient. Quand ils ont perdu leur mère biologique, ils étaient vraiment très très jeunes, donc ils ne connaissaient entre guillemets réellement que Molly, et elle les aimait vraiment profondément. Elle voulait donc officialiser tout simplement la chose.
Personne ne pouvait remplacer leur véritable mère, Margaret, bien entendu, mais ils considéraient malgré tout Molly comme leur mère. Elle était très gentille, elle était patiente avec eux, elle s'occupait de tout, du ménage, de la maison, de la cuisine. Du coup, elle restait avec Jason et elle attendait que les enfants soient plus grands afin qu'un juge intervienne et prenne en compte la demande des enfants, l'opinion qu'ils avaient de Molly, qu'ils considéraient comme leur mère, afin qu'elle obtienne aussi une partie de la garde. Donc, elle attendait et elle était bloquée dans cette situation. Okay. How does it become physical? What happens? He started choking me. Okay. Where were you at when he was choking you? In the bed. Do you remember what you were fighting about? My daughter had a nightmare. She thought that the fairies on her sheet were insects and spiders and lizards. And I woke up. Mais selon le rapport de toxicologie, il avait une teneur en alcool dans le sang de 0,02%. Donc pas vraiment ivre. Légalement, la limite est fixée à 0,05%. Mais il est tout à fait possible que l'alcool dans le sang ait aussi eu le temps de diminuer après sa mort. Au bout du couloir, le père de Molly, Tom Martins, fait lui aussi face à une équipe d'enquêteurs. So I open the bedroom door, and he's got Molly by the throat, like this. And he goes around her throat, like this. And I said, let her go. And it turned him like, you know, I'm in trouble. Let her go. I'm going to kill her. Let her go. I'm going to kill her. Let her go. I'm going to kill her. And he reaches out and he grabs the bat. He's stronger than I am. And he pushes me down. And I'm scrambling on the floor, glasses fall off. Now I'm thinking, he's gonna kill me. And I get the bat back. I don't know what happened while I'm down on the floor. And I can't tell you how many times I hit him, and I can't tell you how many times he shoved me, and I can't tell you. It's bad. I was scared to death that he was going to kill her. And subsequently, I was scared to death that he was going to kill me. And he started to drag her toward the bed to the bathroom. And I hit him with the baseball bat. I know it sounds like an excuse, but I'm telling you, that guy was crazy. Après ces interrogatoires, Molly et son père sont autorisés à rentrer chez eux. You're not under arrest.
Pour le moment, ce sont donc des témoins. Mais ils ne sont pas sortis d'affaires pour autant. Pendant ce temps, Molly continue, elle, les démarches pour obtenir la garde des enfants. Sur Facebook, elle a d'ailleurs mis un post essayant d'interpeller Jack et Sarah. Et de leur côté, les enquêteurs s'interrogent. Molly et Tom ont maintenu qu'il s'agissait de légitime défense, mais était-ce réellement le cas? Ou y avait-il un complot diabolique minutieusement préparé pour tuer Jason? Alors, les enquêteurs trouvent d'abord étrange le fait qu'à un moment, lors de l'interrogatoire, Molly se frottait le cou. Elle se frottait bien évidemment le cou suite à l'étranglement, mais selon les enquêteurs, elle avait une simple trace rouge, mais sans aucune autre blessure. Selon eux, faisait-elle donc peut-être exprès de se frotter le cou? Autre élément suspect pour eux, lors des interrogatoires, les détectives ont pris des photos de Molly, de Tom et de leurs blessures. Et ils trouvent étrange qu'il n'ait aucune blessure et pas beaucoup de sang sur eux. Car ils disent avoir pratiqué un massage cardiaque sur Jason et Jason a saigné abondamment. Il y avait du sang partout dans la pièce, sur les murs, mais étrangement, il n'y en avait pas sur eux. Pourquoi n'étaient-ils pas couverts de sang s'ils disent avoir pratiqué un massage cardiaque ? Surtout que lors de l'autopsie, le médecin a établi que la cause du décès était un traumatisme crânien contondant. Son crâne a donc été fracturé, il a subi une hémorragie, il a également subi de multiples lacérations, des écorchures et des contusions à la tête. Il a également des blessures au torse, aux mains et aux jambes. Donc si la bagarre a aussi été violente, pourquoi Molly et son père, eux, ne présentaient-ils ni bleu ni ecchymose ? Surtout que Jason, c'est un homme plus grand, plus fort qu'eux, mais eux, ils n'avaient aucune blessure. Molly avait bien sûr du sang sur le visage, mais pas sur son pyjama, ni sur ses mains. Autre élément, les enquêteurs ne sont plus sûrs des allégations d'abus de Jason envers Molly. Elle s'était, elle, confiée sur ses violences à quelques amis et aussi à des voisins. Mais pour beaucoup de ses voisins, Jason était un gars formidable, il était joyeux, il était sympathique et selon eux, ils n'auraient vu aucun signe de violence chez Jason ni aucune ecchymose sur Molly. Et selon eux toujours, Molly ne semblait pas vraiment avoir peur de son mari, elle ne serait pas parue comme une victime, elle ne semblait pas effrayée, elle était sociale, bavarde et extravertie. Mais bon, les témoignages des voisins sont pour moi peu intéressants, peu utiles, étant donné qu'il est rare que les voisins réagissent aux violences domestiques. Malheureusement, certains préfèrent fermer les yeux. De plus, on ne sait jamais ce qui se passe réellement derrière une porte fermée. Ce n'est pas parce que Molly souriait et riait qu'elle et Jason faisaient bonne figure en public que chez eux, c'était également tout beau, tout rose. Beaucoup de personnes portent un masque en public. Mais bon, ces violences sont aussi remises en cause pour une toute autre raison. En fait, les enquêteurs découvrent que Molly a menti de nombreuses fois durant sa vie et même bien avant sa rencontre avec Jason. Par exemple, plus jeune, elle disait qu'elle avait une petite sœur qui était décédée d'un cancer. Or, Molly n'a jamais eu de sœur, mais trois frères. Les enquêteurs ont aussi découvert un email qu'elle avait envoyé un jour à Jason. Dans cet email, elle disait... Donc elle lui aurait envoyé ça après une trahison de Jason apparemment. Mais Molly ne se souvenait pas d'avoir écrit ce mail, mais elle a quand même effectivement reconnu plus tard ne jamais avoir eu de sœur. Autre exemple, elle déclarait aussi à certains voisins qu'elle était la mère biologique de Sarah. Et bien sûr c'était un mensonge, ce n'était pas sa mère biologique, c'était Margaret. Même si c'est ce qu'elle pensait quand même intérieurement, même si c'était son vœu le plus cher de devenir officiellement et légalement sa mère. Autre mensonge, le jour de son mariage avec Jason, elle aurait dit à ses demoiselles d'honneur qu'elle avait été amie avec Margaret avant qu'elle ne meure d'un cancer. Mais elle ne l'a jamais connue et Margaret n'est pas morte d'un cancer, mais elle est morte d'une crise d'asthme. Jason lui aussi avait menti une ou deux fois au cours de leur relation. Il ne voulait lui pas que ses voisins, proches et amis sachent qu'ils s'étaient rencontrés parce que Molly était leur nounou.
Jason disait alors qu'elle était rédactrice en chef. En tout cas, les enquêteurs ont donc émis des doutes sur le fait que Molly ait réellement été violentée par Jason à cause de ses nombreux mensonges. Cela a forcément soulevé des questions sur sa crédibilité. Et c'est plus tard, lors d'une interview après le drame, que Molly a déclaré qu'il était effectivement possible qu'elle ait un problème avec le mensonge, mais qu'elle avait pourtant du mal à s'imaginer en train de mentir, en train de dire toutes ces choses, et qu'elle ressentait d'ailleurs beaucoup de regrets quand elle s'apercevait qu'elle avait menti. Mais voilà, c'était comme si c'était plus fort qu'elle, qu'elle parlait plus qu'elle ne réfléchissait, peut-être cherchait-elle de la compassion ou de l'attention. Et donc, en réalité, ce serait à cause de tous ces mensonges que Jason ne voulait pas la laisser adopter ses enfants. Ce n'était pas pour garder le pouvoir et le contrôle sur Molly, pour qu'elle reste, mais parce qu'elle mentait et n'était pas fiable. Et donc maintenant, pour en revenir aux enquêteurs, avec tous ces éléments, ils se demandent alors si père et fille ont dit la vérité à propos du drame. Molly, elle a essayé de se défendre contre ces accusations. Oui, elle avait menti, oui, elle avait un problème avec le mensonge, mais pour autant, Jason était réellement violent et agressif avec elle. D'ailleurs, un psychiatre a déterminé plus tard qu'avec les violences qu'elle avait subies, elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Mais surtout, et pour se défendre, Molly aurait des preuves de ses abus. En fait, selon elle, il y a des années, elle avait consulté un avocat pour avoir des conseils concernant l'adoption des enfants. Quels seraient ses droits envers les enfants en cas de divorce ? Et c'est sur ces conseils qu'elle a commencé à enregistrer certaines conversations entre Jason et elle. De nombreux enregistrements avaient malheureusement été détruits ou perdus, mais ceux qui restaient ont été remis aux enquêteurs. Voici un enregistrement. With the family. Are you finished with your dinner, hon? I'm talking to you. No. Is this how you treat? This is what you just ignore me? I said I'd like to have dinner with my family. I'm talking to you. I shouldn't have to say it over and over. I shouldn't have to say, Molly. Can you guys get out the stuff for pancakes? No, you're. I'm, see, here you go again. I'm talking to you and you're still going on talking about something else. Alors, il y a eu d'autres enregistrements, voici le contexte d'un autre réalisé en décembre 2013. Jason, apparemment ivre, trouve la porte de chez lui verrouillée et sonne alors à plusieurs reprises. Il avait apparemment sa clé sur lui, mais il était bien trop ivre pour réussir à ouvrir la porte. Molly l'ouvre 39 secondes plus tard et s'excuse, mais lui, il lui répond méchamment, il se moque d'elle, une dispute éclate alors et on entend plusieurs bruits de claquements et on entend aussi Molly qui commence à gémir, puis elle lui dit « je te déteste » en sanglotant et l'enregistrement se termine. Dans un autre enregistrement, Jason a découvert qu'elle l'enregistrait. Il a alors accusé Molly d'avoir des réactions et d'agir comme s'il était une sorte de démon pour elle. Et on entend Molly répondre qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur et elle s'excuse d'avoir eu peur. Et elle ajoute que s'il pense que la peur va disparaître en la frappant sur la tête ou en lui lançant des choses dans le dos, et Jason l'interrompt avec un « ouais ouais, d'accord, d'accord, peu importe ». Mais le souci avec ces enregistrements, c'est qu'on ne peut déterminer exactement dans quelles circonstances ils ont été faits. Est-ce que cela pourrait être des mises en scène de Molly ? Les enfants de Jason, Jack et Sarah, ont chacun été interrogés par deux fois par les autorités. Un interrogatoire a été réalisé le lendemain du meurtre et l'autre après les funérailles de leur père, soit 4 jours après le drame. Les enfants ont en premier lieu corroboré les récits de Molly à propos du comportement de leur père. Ils ont parlé des problèmes de colère de leur père, ainsi que des problèmes qu'il y avait entre Molly et Jason. Ils ont parlé des abus verbaux, psychologiques et physiques. Punching, hitting, pushing.
Ils ont également confirmé qu'ils avaient prévu de peindre des briques avec Molly. Donc cela confirme également le motif de la présence de la brique sur la table de chevet. Donc, les déclarations de ces deux jeunes enfants corroborent les dires de violence de Molly. Sauf que, après le drame, ils sont retournés vivre en Irlande avec la famille de Jason et leurs déclarations ont subitement changé. En fait, deux jours après le drame, Molly a engagé une procédure pour être nommée tutrice de Sarah et de Jack. Tracy, la sœur de Jason, a également fait une demande de garde. Donc, elles se sont battues toutes les deux pour obtenir la garde des enfants. Et finalement, le tribunal a statué et a ordonné que Sarah et Jack repartent en Irlande avec leur tante et leur oncle. Car Molly était bien entendu suspectée de meurtre et dans le testament de Jason rédigé en 2007, il est écrit qu'en cas de décès, il voulait que sa sœur Tracy et son mari David soient les tuteurs de ses enfants et qu'ils aillent vivre avec eux. Et donc, c'est une fois rentrés avec leur tante et leur oncle en Irlande, et après avoir passé du temps ensemble, que les enfants se sont rétractés sur ce qu'ils avaient dit dans leur déclaration initiale. Ils ont nié certaines de leurs déclarations dans lesquelles ils avaient indiqué que leur père avait été violent, mais pas toutes les déclarations. Et selon Tracy, Molly les avait coachés, briefés pour que les enfants mentent lors de leur première déclaration. Sauf que, honnêtement, j'ai un doute sur ça. Car je ne pense pas que Molly ait pu voir les enfants après la mort de Jason et surtout les briefer aussi rapidement en si peu de temps. Alors qu'une fois arrivés en Irlande, les enfants ont dû suivre une longue thérapie et c'est 9 mois plus tard que leurs déclarations ont changé. 9 mois après avoir passé du temps avec la famille de Jason, du temps avec les enquêteurs. En tout cas, les déclarations des enfants et leur rétractation ont forcément fait l'objet d'un débat intense. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? Avait-il été influencé par Molly ou bien par la famille de Jason? Molly made me lie to the people who were interviewing me. How did Molly make you lie? She made up a lot of stories about my dad. He said that she was very abusive and she wasn't lying. Selon lui, Molly les avait donc entraînés à faire ces déclarations complètement fausses et en réalité, c'était Molly qui les avait abusés, eux et leur père, pendant des années. Et selon aussi Tracy, ce serait Molly qui serait violente, qui serait colérique. Elle aurait d'ailleurs apparemment été un jour témoin d'un acte de violence de Molly sur le jeune Jack. En tout cas, à ce moment-là, l'enquête s'accélère et les doutes concernant Molly s'amplifient. Voici enfin la dernière chose qui a fait basculer les certitudes des enquêteurs. Lors de l'interrogatoire de Tom, celui-ci a déclaré avoir commencé à frapper Jason alors que celui-ci traînait Molly vers la salle de bain. And he started to drag her toward the bed and into the bathroom. And I hit him. With the baseball bat. Donc, il aurait donné les premiers coups alors que Jason était debout. Et donc, au vu de leur déclaration, il aurait cessé de le frapper une fois que Jason était tombé au sol, une fois que la menace avait disparu. Sauf que les experts en éclaboussures de sang décrivent le contraire. Les éclaboussures sont proches du sol. Donc, il aurait été frappé une fois seulement au sol. Donc, ça ne concorde pas du tout avec la thèse de la légitime défense. Au vu de tous ces doutes et de toutes ces incohérences, Molly et son père sont arrêtés 5 mois après le drame en janvier 2016 et sont accusés de meurtre au deuxième degré, c'est-à-dire pour meurtre sans préméditation. Néanmoins, ils restent libres dans l'attente de leur procès car ils ont payé une caution de $200,000. Le procès s'ouvre le 25 juillet 2017.
Selon l'accusation, tout cela fait partie d'un plan soigneusement préparé. Il n'y aurait pas eu d'étranglement, il n'y aurait pas eu d'autodéfense, Jason Corbett aurait été drogué et attaqué pendant qu'il dormait. Pour cela, l'accusation s'appuie sur des preuves médico-légales, notamment sur des photographies du corps de Jason et de la scène de crime. La scène de crime est-elle incompatible avec la justification et l'allégation de la légitime défense, en particulier donc à cause des éclaboussures de sang beaucoup trop proches du sol? L'accusation fait aussi appel à un expert en analyse de taches de sang et celui-ci témoigne en disant que Jason glissait sur le sol alors qu'il était frappé, donc il était au sol et sans défense quand on lui administrait les coups. Il y avait aussi des taches de sang sur l'ourlet du caleçon de Tom qui pourraient encore une fois indiquer qu'il se tenait au-dessus de Jason alors qu'il le frappait. Même si ces taches qui sont supposées être le sang de Jason n'ont jamais été testées. Et selon le médecin légiste, Jason a reçu au moins 12 coups à la tête, des coups extrêmement violents. Et selon le médecin, ce sont les types de blessures que l'on peut observer lors de chutes de grande hauteur ou d'accidents de voiture. Un jury a d'ailleurs vomi lorsqu'une photographie du crâne de Jason a été montrée. Quel serait maintenant le mobile s'il s'agit d'un meurtre prémédité? Eh bien, au vu des témoignages des membres de la famille de Jason, il avait en fait l'intention de repartir en Irlande en emmenant ses enfants avec lui, et pour Molly, ce n'était pas envisageable. Des preuves informatiques ont d'ailleurs appuyé ces dires. Jason était sur le point de quitter les États-Unis et de retourner en Irlande avec ses deux enfants. Il cherchait d'ailleurs un nouvel emploi et avait déjà postulé à certaines offres, et il aurait dit à Molly que de toute façon il partirait avec ou sans elle. En fait, il avait le mal du pays depuis très longtemps et il était vraiment décidé à repartir dans son pays d'origine. Et la veille de sa mort, il était allé sur internet et il cherchait des billets d'avion pour lui, pour son fils et pour sa fille. Et donc ses projets de retourner en Irlande avec Jack et Sarah se concrétisaient. Il est alors possible que Molly l'ait découvert cette nuit-là. Elle aurait donc comploté avec son père pour empêcher ce départ imminent et ainsi obtenir la garde des enfants. Et comme elle n'avait aucun pouvoir légal sur les enfants, Jason pouvait tout à fait partir avec eux sans que jamais elle ne puisse les revoir. Et apparemment, Tom, lui, il détestait son beau-fils, donc il aurait suivi sa fille dans ce plan. Et il a aussi été souligné que dans le cadre de la mort de Jason, Molly pourrait percevoir une police d'assurance vie de 600 000 dollars. Maintenant, à propos de la défense. Molly et Tom ont nié avoir délibérément tué Jason et ont maintenu qu'il s'agissait de légitime défense. Tom a affirmé qu'il avait fait ce que n'importe quel père ferait pour protéger son enfant. Malheureusement, la défense n'a pas été autorisée à fournir des preuves concernant les abus présumés de Jason sur Molly. Molly, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas frapper Jason avec une brique, mais qu'à cet instant précis, elle était sûre qu'il allait tuer son père. Et d'ailleurs, elle a déclaré que c'était horrible que son père se retrouve dans ce tribunal pour meurtre. Et après 9 jours de procès, le 9 août 2017, le jury a délibéré pendant 3 heures et n'a pas accepté les allégations de légitime défense. Il a condamné Molly et son père à une peine de 20 à 25 ans de prison. Et à l'énoncé du verdict, Molly fond en larmes. Elle se retourne ensuite vers sa mère pour lui dire qu'elle était désolée et qu'elle préférait qu'il la tue. Puis, alors qu'ils sont emmenés dans la camionnette pour être conduits en prison, le président du jury fait une déclaration face aux caméras, une déclaration qui pourrait retourner complètement la situation. We didn't discuss a verdict. But in having private conversations, everybody, we could read that everybody was going in the same direction. Et donc, quel est le souci avec cette déclaration? Eh bien, en fait, les conversations privées sont interdites. Les jurés ne doivent jamais discuter de l'affaire en dehors de la salle des jurés. Et lui, il venait d'admettre devant les caméras qu'il avait discuté de l'affaire en privé. Et un témoin aurait d'ailleurs même vu le président du jury et un autre juré monter dans une Nissan juste après les délibérations et ils auraient eu une conversation de 10-15 minutes. Et c'est plus tard, toujours le président du jury a continué à parler de l'affaire mais sur Facebook.
Mais selon les avocats de Tom et Molly, cette déclaration était une opinion basée sur des faits non prouvés. Le jury doit suivre des règles strictes. Il doit se baser sur ce que les avocats leur présentent comme preuve lors du procès et non faire de la diffamation ou accepter que leur opinion personnelle altère leur jugement. Donc Tom et Molly ont immédiatement déposé une requête pour une annulation du procès pour inconduite présumée du jury. Mais le juge a rejeté leur requête, donc pas d'annulation du procès. Puis c'est un an plus tard que la défense s'est adressée à la cour d'appel, et cette fois en faisant valoir qu'il y avait eu de nombreuses erreurs au cours du procès. Et en mars 2021, la Cour suprême a reconnu que le procès avait été inéquitable pour plusieurs motifs. D'abord, aucune preuve sur les abus que Molly a subis de la part de Jason n'a été présentée. Pour les jurés, il est donc difficile de croire que Molly est une femme battue et que cette nuit-là, elle avait eu peur pour sa vie. Ensuite, les interrogatoires initiaux des enfants n'ont pas non plus été présentés aux jurés. Les enfants auraient aussi pu témoigner devant le tribunal de la raison pour laquelle elle avait une brique aussi sur sa table de chevet, que c'était bien destiné à de la création. Autre élément, une mèche de longs cheveux blonds a été retrouvée dans la main de Jason, donc c'était probablement des cheveux de Molly, mais ils n'ont jamais été testés, et c'était donc probablement la preuve qu'il l'avait attrapée et traînée. Jason avait aussi des blessures défensives à son bras gauche. En tout cas, sans ça, sans preuve, il était plus facile pour le jury de conclure que Tom et Molly avaient inventé toute cette histoire dans le but de dissimuler leur crime et d'affirmer qu'ils avaient agi en état de légitime défense. Donc leur condamnation fut annulée car des preuves importantes avaient été exclues, empêchant ainsi Tom et Molly de défendre leurs revendications de légitime défense et ainsi d'avoir une défense solide. Et le jury, lui, n'avait pas eu les preuves nécessaires pour les innocenter. Donc ils doivent désormais repasser en jugement. Et fin 2021, leur procès a été reporté car malheureusement leur avocat est décédé. Et à un moment, le procureur a aussi hésité à leur proposer un accord de plaidoyer. C'est-à-dire qu'il n'irait pas en procès face à un jury, c'est en fait un accord qui se négocie entre le tribunal et entre les accusés. Donc pour cela, Molly et son père doivent admettre avoir volontairement tué Jason, et en échange, leur peine est ramenée à 6 ans de prison. Étant donné qu'ils ont déjà purgé une peine de 4 ans et qu'ils ont été condamnés à 20 ans, c'est plutôt une solution qui est quand même très avantageuse pour eux. La famille de Jason, elle, a été dévastée par cette nouvelle et a lancé une pétition recueillant plus de 8500 signatures. Le frère de Jason, John, a même écrit au président américain Joe Biden pour exprimer sa consternation face à l'offre de négociation de peine. Mais finalement, il n'y aura pas d'accord de plaidoyer, le procureur a décidé de procéder plutôt à un nouveau procès. Il n'y a pas aujourd'hui de date de fixer, ils attendent donc toujours leur nouveau procès, mais celui-ci devrait avoir lieu entre le milieu et la fin 2022. En tout cas, le nouveau procès devrait durer entre 5 et 7 semaines et Sarah et Jack devraient témoigner. Cependant, ils risquent de témoigner contre Molly. Aujourd'hui, Jack, lui, il a 16 ans et Sarah, 14. Et en 2020, Sarah a écrit une série de livres pour enfants sur l'adaptation à la perte. La famille de Jason a aussi porté plainte contre Molly et contre son père et contre sa mère, donc Tom et Sharon, pour mort injustifiée. Et la famille a demandé un total d'au moins 50 000 $ en dommages et intérêts. Et c'est en avril 2021 que Molly et son père ont été libérés contre une caution encore une fois de 200 000 $ et donc restent libres en attendant leur nouveau procès. Ils ont interdiction de rentrer en contact avec la famille de Jason forcément et ils ont dû donner leur passeport à la justice pour éviter toute tentative de fuite. Et lors du nouveau procès, si les peines de 20 et 25 ans sont maintenues, comme Molly et son père Tom sont dans des prisons séparées, ils pourraient ne plus jamais se revoir. Et à 67 ans, la peine de Tom pourrait signifier qu'il mourra en prison.
Donc c'en est terminé pour cette affaire. Ici, nous avons vraiment deux versions distinctes, deux camps. Dans un cas, nous avons Molly qui est décrite violente et dans l'autre, c'est Jason. Dans l'un, c'est de la légitime défense et dans l'autre, c'était prémédité pour empêcher le départ de Jason et des enfants. Donc c'est vraiment très mitigé. Personnellement, je crois aux déclarations initiales des enfants, donc lors de leur premier interrogatoire. Ils n'ont pas pu être coachés aussi rapidement après le décès de leur père par Molly. Et ils ont été interrogés seulement quelques heures après le drame. Alors que leurs déclarations ont changé du tout au tout après avoir passé plusieurs mois chez la sœur de Jason. Et ils aimaient véritablement Molly, ils ne voulaient pas aller chez leur tante, ils ont pleuré quand ils ont dû partir avec Tracy et son mari, quand ils ont été séparés de leur mère. Et Sarah, elle s'est réellement réveillée cette nuit-là à cause d'un cauchemar. Mais dans ce type d'affaires, tout est vraiment possible. Il doit y avoir un peu de vérité dans chaque camp. En tout cas, nous verrons la suite donc lors du prochain procès. Dites-moi vous ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte de vous le lire, car vos avis risquent d'être très divergents dans les commentaires, tout comme la vidéo sur Vincent Vieffort et Angelica Graswold, ce qui est d'ailleurs très très intéressant d'avoir des avis opposés et ainsi lire toutes vos différentes hypothèses. Donc dites-moi si vous croyez que Jason était violent, etc. En tout cas, merci d'avoir suivi cette affaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.